Oui, Jean-Baptiste, avec des Montpelliérains qui ont dû revoir un petit peu leur plan en avant-match avec le forfait de dernière minute du All Black George Bridge, qui avait réussi à marquer un doublé en Challenge Cup et qui manquera forcément à l'attaque montpelliéraine. On le rappelle, 15 essais seulement inscrits en top 14 depuis le début de la saison pour le MHR, qui est la moins bonne équipe de ce top 14 et qui fait face aujourd'hui, comme le disait Mathieu Blin, à une équipe castresse qui, elle, de son côté, trouve très régulièrement le chemin de l'embut. Premier ballon, première sortie de camp à négocier pour les coéquipiers de Léo Colli avec Enzo Forletta. On a réussi à gagner cette ligne d'avantage et on va peut-être s'ouvrir l'angle pour l'ancien Montois. Léo Colli, arrivé la saison dernière à Montpellier en compagnie de Louis Carbonel, avec qui il associe encore une fois. Aujourd'hui, on a été contré, c'était Tyler Hardron. Et regardez Carbonel qui va pouvoir trouver cette touche. Les Montpelliérains qui jouent avec le soleil dans le dos. Ils vont peut-être tenter de mettre en difficulté l'adversaire sous les yeux du manager Patrice Collazo. Et premier lancé à suivre pour le talonneur international Gaëtan Barlow. Première munition pour les castrés avec un petit peu de vent qui gênera les deux équipes aujourd'hui. Avec ce premier ballon, cette première sautée avec Botitou, ça combine avec Josiah Raisuke. Bien plaqué par Ben Lam, Poplin. Avec Botitou, le Fidjien. Passe par le sol, on a perdu un petit peu de terrain côté castré. La puissance cette fois-ci de Tom Staniforce. Gros duel face à Paul Willemse. Et la première pénalité du match, elle est en faveur des Montpelliérains. Mathieu, ça va leur permettre aux coéquipiers d'Alexandre Béconnier eh bien de reprendre un petit peu confiance dans ce tout début de match. Et un contest de la part du meilleur gratteur de cette équipe de Montpellier, c'est Alexandre Béconnier. Lui aussi, comme Léo Colli, passé par Mont-de-Marsan. Et premier sauteur, Paul Willemse. Est-ce que ce ballon va être récupéré? Oui, avec Carbonel qui a trouvé une brèche, qui a du soutien intérieur. Celui de Yann Serfontaine qui va marquer son premier essai de la saison. Le 16e de cette équipe de Montpellier qui retrouve le chemin de l'embut par sa ligne de 3 quarts après 2 minutes 30 de jeu. Louis Carbonel, la bonne anticipation du demi d'ouverture montpelliérain avec un rebond assez favorable aussi pour pouvoir servir à son intérieur. Yann Serfontaine a peut-être un petit sourire cette fois-ci qu'on devine sur le visage de Patrice Collazo. Transformation à suivre face aux perches pour Louis Carbonel. On le disait, beaucoup de vent aujourd'hui, mais ça ne devrait quand même pas gêner Louis Carbonel à cette distance-là. Et ça fait 7 à 0 en faveur de cette équipe de Montpellier. Oui, ils avaient marqué sur touche, sur maul, un essai de Sam Simmons face à Oyonnax. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait en avant-match, c'est désormais du lien au niveau de la ligne de trois quarts, du lien offensif qu'il faut trouver pour les partenaires d'Anthony Boutier qui dispute son troisième match seulement en top 14 cette saison. Le retour du capitaine montpelliérain, l'arrière international Anthony Boutier.
Et on ne se privera pas de rappeler que cette équipe de Montpellier a été sacrée championne de France face à ces mêmes Castrais il y a seulement un an et demi. Victoire sans appel d'ailleurs à l'époque en finale sur le score de 29 à 10. Il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe de Montpellier, plus d'une dizaine qui étaient de cette finale en 2022. On a l'impression qu'il ne manque pas grand-chose finalement à cette équipe de Montpellier pour retrouver ses performances de l'époque. Pierre Poplin peut-être pour un 50-22, le rebond qui finalement permet à Anthony Boutier de dégager son camp. Voilà qui est fait pour le capitaine Montpellier. Hein. Avec Adrien Séguret qui est arrivé en cut, course rentrante pour le deuxième centre castré. Il y a un joueur au sol, c'est Pierre Poplin qui semble-t-il a pris un contact en bas du dos. Et l'ancien Rochelet, très performant depuis le début de la saison, troisième meilleur réalisateur du championnat et qui pour l'instant reste au sol. Vilimoni Botitou, Julien Dumora qui peuvent suppléer Pierre Poplin en position de numéro 10. Botitou justement, avantage en cours pour cette équipe de Castres Nakarawa. Et le grattage de Yacouba Camara, cet avantage qui ne profitera pas. Et on revient à cette première pénalité en faveur des Castrais.
Oui, Montpellier qui mène de 4 points suite à la pénalité de Pierre Popelin, qui passe pour la première fois de sa carrière la barre des 100 points en top 14, l'ancien Rochelet. Et là, ce sont les Montpellierains qui sont à l'attaque avec un gros travail des avants à l'image de Yacouba Camara qui gagne la ligne d'avantage. Est-ce que ce ballon va sortir? Non! Le grattage de Baptiste Delaporte. Et Paul Villemcé qui n'est pas forcément très content. Mais c'est une pénalité récupérée par le Castres Olympique alors qu'ils étaient dominés sur cette séquence Montpellier-Rennes. Ils sont dans la moitié de terrain Montpellier-Rennes, les Castrés, pour cette touche. Avec à l'image Léoné Nakarawa, qu'on avait beaucoup connu sous le maillot du Racing, notamment pour Seo Flaude, champion olympique de rugby à 7 en 2016 à Rio. On le rappelle, pour un deuxième ligne, c'est quand même une drôle de performance. Avantage en cours, une nouvelle fois pour les Castrés. Avec Gaëtan Barlow en pick and go qui a pris l'axe. Gaëtan Barlow qui a trouvé Antoine Tichit, son compère de la première ligne. Le grattage peut-être de Painga Amosa, il n'est pas récompensé. Il n'était pas sur ses appuis. Position illicite pour l'international australien. Et troisième pénalité sifflée à l'encontre de Montpellier. Et pour l'instant, les Castrés n'ont pas forcément la possession, mais qui se nourrissent de ces deux dernières fautes Montpellier-Rennes pour tenter les points. Alors qu'on revoit le bon travail de Gaëtan Barlow, celui d'Antoine Tichit, de la continuité dans le jeu. Castrés notamment... par ses avants. Et Pierre Popelin qui va avoir l'occasion d'inscrire une deuxième pénalité dans cette rencontre. Alors qu'il y a un joueur au sol côté montpelliérain. C'est Titi Lamossi-Télé, le pilier droit. Et c'est une stat assez impressionnante. Je vous rejoins d'ailleurs, Mathieu, sur une autre stat. C'est l'une des équipes qui tient le moins le ballon dans les 22 adverses et pourtant c'est l'une des équipes qui marque le plus d'essais de ce top 14. Mais pour l'instant, on s'en remet à la botte de Pierre Popelin pour revenir à un point de cette équipe montpelliéraine, 7 à 6 toujours en faveur du MHR.
Oui, avec les Montpelliérains qui avaient réussi à remarquer suite à une pénalité avec voilà, ce pack féroce du MHR qui avait réussi à récupérer le ballon sur le renvoi, sur un contre-ruck assez impressionnant. Malheureusement, on s'est mis à la faute suite à cette touche Castres. Et le CO qui va pouvoir lancer le jeu à l'entrée des 22 mètres montpelliérains. On revoit cette faute avec un maul écroulé par la défense montpelliéraine. On a vu ces Castrés, hein, dangereux sur leur propre touche, avec Nakarawa en début d'alignement une nouvelle fois. Et on s'organise autour du sauteur fidjien. Ballon dans les mains de Baptiste Delaporte. Pour l'instant, ça progresse, mais en crabe du côté Castrés avec Arata qui va sortir ce ballon. Botitou en position d'ouvreur. La sautée de Botitou avec une passe à rebond. Attention à Raïsouke qui, heureusement pour la défense montpelliéraine, commet cette petite maladresse, cet en avant, parce qu'on le connaît, Raïsouke, lorsqu'il a le ballon lancé, il fait souvent des dégâts. On a essayé en tout cas, hein, Mathieu, d'éloigner très vite le ballon sur l'aile de Raïsouke. Malheureusement, ça n'a pas été payant. Avec, vous l'avez entendu peut-être dans le micro de Jonathan Gasnier, l'arbitre de cette rencontre, la première mêlée du match après près de 17 minutes, de 18 minutes, pardon. Cette mêlée, introduction Léo Colli, on a tout intérêt à bien la négocier, étant donné la zone du terrain. La voici, cette introduction, la mêlée est stable, elle est propre. Le ballon qui est dans les pieds de la troisième ligne montpelliéraine. Léo Colli avec Serfontaine qui a gardé ce ballon, qui est allé défier la défense Castres et notamment Pierre Poplin. Ah, Bécogni, attention, il est sous pression. Celle de Stani Force, le meilleur plaqueur de ce championnat. Le ballon qui ne sortira pas. Raïsouke qui trouve Pierre Poplin. Il va pouvoir relancer avec Raïsouke une nouvelle fois. Et la première percussion du Fidjien Raïsouke. Arata avec Nakarawa. Attention au float de Nakarawa qui trouve Stani Force, mais petit en avant de l'Australien. Et ballon récupéré par Montpellier. On revoit cet offload qui était plutôt bien donné, mais il était vite sous pression, Stani Force, la pression de Paul Willemse. Je le disais tout à l'heure en avant de match, mais c'est en début de match, pardon, mais c'est quand même un sacré duel de numéro 5 entre l'international français et l'Australien.
un essai absolument magnifique côté Montpellierin. C'est parti d'une récupération suite à un jeu au pied de Pierre Popelin. Bon travail de Simons qui conserve ensuite ce jeu au pied par-dessus de Carbonel. La pression défensive de Serfontaine sur Botitou. Le grattage de Carbonel qui va réussir à trouver des coéquipiers après contact. Le relais de Forletta pour Marco Tolain. Lui aussi l'un des joueurs à la relance de cette équipe montpelliéraine qui a retrouvé du temps de jeu sur la Challenge Cup et qui est à la conclusion de cette action avec, vous le voyez, le plaquage de Serfontaine, le grattage de Carbonel. Et ça rebondit derrière avec les avants et notamment la doublette Forletta-Tolain qu'on avait vu très active, on le rappelle, dans les célébrations du titre en 2022 et qui cette fois-ci montre que sur le terrain, c'est pas mal non plus. Et on notera l'excellent travail de l'anglais Sam Simons au début de cette action qui a la lourde tâche de faire oublier un certain Zach Mercer, son compatriote. Et en tout cas, côté montpelliérain, quand on arrive à jouer dans l'avancée, eh bien on est capable de réaliser de grandes choses. Le renvoi. Thank you.
On approche de la demi-heure de jeu. Deux essais marqués pour les Montpellierains qui mènent 17-6 avec une erreur là. À l'instant, côté Castrais, à cet endroit du terrain, il y avait une pénalité en faveur des Castrais. Du côté de Pierre Popelin qui est gaucher, on a appelé Julien Dumorat qui lui a dit « Non, non, prends-la toi-même ». Julien Dumorat qui est un petit peu diminué depuis un contact avec Paul Villemc tout à l'heure, qui n'a pas donné lieu ni à une pénalité ni à un carton. Et Pierre Popelin qui n'a pas trouvé la touche, qui a envoyé ce ballon en ballon mort. Et c'est pour cela que les Montpellierains ont hérité d'une mêlée avec Léo Colli. Louis Carbonel, la croisée pour Yann Serfontaine qui est beaucoup sollicité au milieu du terrain. Colli, la sautée intéressante pour Simons. Attention à Simons, il est très bon à 1 contre 1. Il casse deux plaquages, l'international anglais. Il est rentré dans les 22 mètres castrés, il manquait peut-être un petit peu de soutien. Non, finalement, ce ballon qui est toujours en possession des Montpellierains avec le jeu au pied par-dessus de Carbonel. Et position de hors-jeu de Serfontaine. On s'est un petit peu débarrassé de ce ballon. Mais quel était bien joué à cette sautée de Colli, ce retour sur le côté fermé. Malheureusement, ça ne donnera rien. Il est jaloux, j'en suis sûr, Arthur Bordeaux. Et bien ici, même avec un stade en extérieur, même avec un peu de vent, et bien on voit des essais. Cette fois-ci, c'est le premier castré avec une magnifique action. Regardez cette chistera de Nakarawa en croisée pour Pierre Popelin qui va pouvoir se remettre un petit peu dans le bain après sa bévue de tout à l'heure. Regardez encore Barlow et Tichit qui trouvent des solutions après contact. Le relais de la porte et la passe à l'aveugle magnifique du Fidjien Nakarawa pour le premier essai castré. Encore une fois, très peu de possession dans les 22 mètres adverses pour les joueurs du CO, mais tout de même un essai inscrit par Pierre Popelin. Avec le public montpelliérain qui s'est réveillé aujourd'hui grâce notamment au bon début de match de son équipe. Alors on demande dans les tribunes du GGL Stadium la vidéo, mais a priori, pas de doute, cet essai est bien valable et transformé par Pierre Popelin.
Oui, avec cette prise de balle en touche de Van Rensburg qui venait d'entrer à la place de Yacouba Camara. On va garder ce ballon un petit peu au chaud, mais quand on voit les grosses paluches de Nakarawa s'approcher, bien on décide de le sortir avec Colli qui va trouver à hauteur Serfontaine. Encore une fois, la puissance et l'adresse du Sud-Africain qui trouve son compère du centre, Arthur Vincent, pour son premier essai cette saison. Serfontaine, une nouvelle fois, qui vient être décisif au milieu du terrain. Le troisième essai inscrit par Montpellier à la 36e minute. Ils avaient déjà inscrit trois essais contre Oyonnax il n'y a pas si longtemps, les Montpelliérains, mais c'est quand même assez rare pour être souligné l'attaque et retrouvé pour cette équipe du MHR. Et ils auront peut-être une nouvelle munition, les Montpelliérains, dans la fin de cette première période, puisque Pierre Poplin a été gêné, trompé par le vent et a envoyé ce ballon directement en touche sur ce renvoi. C'est vrai que quand le vent se lève ici à Montpellier, il est toujours très compliqué à appréhender. Il est souvent tourbillonnant et sous les yeux du dernier arrivé du staff montpelliérain. Un retour, celui de Didier Besse, qui a très longtemps été le capitaine de cette équipe de Montpellier, qu'on a ensuite été l'entraîneur de la mêlée et qui est de retour, staff pléthorique autour de Bernard Laporte et de Patrice Collazo. Et en tout cas, cette équipe de Montpellier qui a pu profiter de cette parenthèse européenne pour retrouver de la confiance. Et il suffit de regarder la composition d'équipe au MHR pour comprendre qu'avec de la confiance, cette équipe est capable de faire de grandes choses. Et face à une équipe en forme comme le Castres Olympique, elle mène aujourd'hui 24 à 13. points marqués, c'est plutôt habituellement ce que les Montpelliérains parviennent au maximum à inscrire sur la durée d'un match entier. Et là, ils ont réussi à le faire en moins d'une mi-temps. Avec les deux côtés à négocier peut-être pour Léo Colli. Malheureusement, c'est Enzo Forletta qui est pénalisé sur ce coup-là face à Levan Chilachava. Et nouvelle pénalité malheureusement qui empêche les Montpelliérains de pouvoir investir la moitié de terrain castrez. En tout cas, sur la mêlée fermée, on aura peut-être l'occasion en deuxième mi-temps d'apercevoir Harry Williams, international anglais, arrivé à l'intersaison en provenance d'Exeter et qu'on n'a pas trop encore eu l'occasion d'observer en top 14. Mais c'est un vrai client au poste de pilier droit. C'est un recrutement qui n'a pas fait beaucoup de bruit, mais qui portera peut-être ses fruits à partir de cet après-midi. Mollet croulé par Villemcé, avantage en cours, pression défensive Montpellier-Rennes, mais on va revenir sur cette pénalité, vous en parliez à l'instant, Mathieu, attention à ne pas trop être sanctionné pour les hommes de Patrice Collazo. Sous les yeux de Jeremy Davidson, le manager irlandais de cette équipe de Castres. Alors que la sirène retentit ici au GGL Stadium, il y aura la possibilité pour le paquet d'avant castrais de sécuriser ce ballon, de prendre ce ballon en touche pour tenter de réduire la marque, de réduire l'écart avant la pause. Lancé Gaëtan Barlow pour Tyler Ardron, le meilleur preneur en balle, le meilleur preneur de balle en touche de cette équipe de Castres. Arata à la baguette avec Ardron une nouvelle fois
l'international canadien qui s'est fait arracher le ballon par Carbonel et Van Rensburg qui tape ce ballon hors des limites du terrain. Le geste plein de lucidité et dans les règles du Sud-Africain. C'est Montpellier qui mène à la pause ici à domicile 24 à 13. Le coup d'envoi de cette deuxième période donné par Louis Carbonel, récupéré par Baptiste Laporte, qui est sous la pression de la défense de Van Rensburg et de Ben Lam. Maul annoncé par Jonathan Gasnier et première mêlée sifflée en faveur de ces Montpelliérains qui débutent parfaitement cette seconde période. Et le bon travail de Ben Lam qui dispute son premier match de top 14 de l'année 2023. Lui qui avait été exceptionnel lors de son début de carrière en Super Rugby sous le maillot des Hurricanes, qui disputait le circuit de rugby à 7 mondial avec la Nouvelle-Zélande, qui est devenu international samoan pendant la Coupe du Monde, qui avait pris un carton rouge, on le rappelle, contre le Japon. Sanction minimale pour Ben Lam, qui a retrouvé le chemin de l'embut lors de la Challenge Cup, alors qu'on vous en parlait. En fin de première période, l'entrée possible d'Harry Williams, l'ancien joueur d'Exeter, qui est entré à droite de la mêlée montpelliéraine. Et la bonne attitude de Williams pour ce ballon bien digéré avec Ben Lam, justement. Il s'est relevé, Ben Lam. Eh oui, quelques-unes, hein, Mathieu. En tout cas, c'est son CV surtout qui parle pour lui, Harry Williams. 19 sélections avec l'équipe d'Angleterre, double champion d'Angleterre avec Exeter, champion d'Europe aussi en 2020. C'était pas forcément la recrue qui a fait le plus de bruit du côté de la nouvelle équipe de Patrice Collazo. Mais c'est un joueur qui devrait faire beaucoup de bien à cette équipe de Montpellier qui cherchait un droitier d'expérience depuis le départ de Mohamed Awas. Et je ne joue pas, figurez-vous, Jean-Baptiste. Avec Anthony Boutier pour Alexandre Béconnier. Petite course en travers là de Béconnier. Finalement mise au sol par Barlow. Le retour avec cette sautée de Carbonel. La passe sur un pas de Van Rensburg pour son compatriote. Sèchement plaqué, Serfontaine par son vis-à-vis Botitou. Forletta, ouais, la petite passe courte pour Arthur Vincent. Il est passé, Arthur Vincent. Et il va être stoppé juste avant les 22 mètres. Castré, le relais de Paul Willem. C'est la remise à tailleur pour Carbonel. Ah, du jeu après contact, pas d'en avant. Récupéré par Penga Mossa. Les Montpelliérains qui vont peut-être pouvoir aller chercher un bonus offensif provisoire avec Simons, lui aussi ancien joueur d'Exeter. Ah, petit en avant malheureusement de Paul Willemse. Ballon récupéré par les Castrais. Mais que c'était dangereux. Ils étaient tout proches de marquer un quatrième essai. Faudra quand même attendre demain, a priori, pour se péter la panse. Alors que côté Montpellierin, c'est un détail, mais on arbore aujourd'hui un maillot spécial aux couleurs de l'Olympisme. Comme vous le voyez sur ces petites bandes fines en forme de tour Eiffel qui met à l'honneur les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. En tout cas, ce maillot qui, pour l'instant, semble réussir à cette équipe de Montpellier alors qu'on se met en place autour de Marco Toleng pour cette touche, se lancer à suivre de l'international australien Penga Mossa, la prise de balle en fond d'alignement de Van Rensburg. Arthur Vincent avec ce ballon pour Carbonel, la pose volleyée de Boutier, malheureusement un petit peu de manque de précision dans cette passe à destination de Ben Lam. En tout cas, on sent une vraie dynamique hein, du côté montpelliérain avec cette bonne prise de balle de Van Rensburg, l'un des tout meilleurs sauteurs de ce top 14.
Et malheureusement, sur cette passe volée, on n'a pas réussi à trouver la vitesse et la puissance de Benlam dans son couloir. Ardron, la prise de balle côté Castré. Avec ce ballon qui, pour l'instant, est toujours dans les mains de Gaëtan Barlow. Ils mettent en grande difficulté les Montpellierains à chaque fois qu'ils arrivent à construire un môle. C'est Castré et le bras tendu de Jonathan Gasnier. Pardon. Avec la longue passe à destination de Dumora. Et qui va pouvoir trouver Raïsouké. Attention, le 1 contre 1 de Raïsouké qui a cassé le plaquage de Boutier mais qui est rattrapé par Julien Tisseron. Arata pour Ardron. La passe dans le dos avec Pierre Poplin qui trouve Botitou. Il y a peut-être de la place dans le couloir avec Botitou qui a feinté la passe finalement. Mais Palis qui va récupérer ce ballon avec Poplin. Attention aux appuis de l'ancien international français de rugby à 7, Pierre Poplin, qui trouve à sa droite Vili Moni Botitou pour le deuxième essai Castré qui vient, non pas crucifier ces Montpellierains, mais qui vient leur rappeler que les Castrés ne leur feront aucun cadeau malgré une domination du côté du MHR. Et bien dans le désordre, les Castrés qui viennent marquer ce deuxième essai. Vili Moni Botitou qui profite du bon travail de son demi d'ouverture. En tout cas, on a eu raison du côté de Jonathan Gasnier de laisser jouer, de laisser cet avantage parce qu'à l'arrivée, les Castrés ont un petit peu reculé. Il y a eu des passes à rebond, mais ça ne les a pas empêchés de finir cette action et de la conclure en beauté. Avec ce numéro 10, Pierre Poplin, toujours très tourné vers l'offensive et qui va désormais tenter de poursuivre son sans faute. Avec cette transformation difficile, mais il est précis, le pied gauche de Pierre Poplin, et il nous fait mentir finalement ce ballon qui est passé tout proche mais qui a fui le cadre finalement.
6 points d'avance pour les Montpellierains qui vont tenter de conforter un petit peu leur avance, d'augmenter un petit peu ce matelas avec la pénalité lointaine de Louis Carbonel à plus de 50 mètres qui passe entre les perches et il permet du coup à son équipe de mener désormais de 9 points et d'être à l'abri d'un potentiel essai transformé de la part des Castrés. On a le soleil un petit peu dans les yeux du côté de Vincent Etcheto et d'Antoine Batut, mais on savoure forcément la partition montpelliéraine. Alors qu'il me semble avoir aperçu Geoffrey Doumerou qui est entré en jeu à la place de Julien Tisseron. On a vu également Marco Tolègue sortir. C'est un petit événement à l'entrée de Geoffrey Doumerou, alors que Cobus Reynard aussi, le double champion du monde sud-africain, est entré. Geoffrey Doumerou qui n'avait pas joué en compétition depuis le 22 janvier dernier. Encore de l'expérience côté montpelliérain, avec la prise de balle d'un autre joueur expérimenté, Van Rensburg, qui n'a pas les pieds au sol. Il n'a jamais eu les pieds au sol sur ce coup-là, le Sud-Africain. Mais c'est pourtant un maul donné au Castré. Et je vous parlais de la sortie de Marco Tolègue. C'est Yacouba Camara qui est revenu sur le terrain. Mais elle est intéressante pour les Castrés dans la moitié de terrain montpelliéraine. Antoine Tichit au premier plan face à mon joueur préféré. Vous le savez bien, le pilier droit anglais de cette équipe de Montpellier avec ses magnifiques dreadlocks. Et on va faire refaire cette mêlée. Allez, une demi-heure à jouer, une petite demi-heure à jouer encore pour ces deux équipes, et pour l'instant les Montpelliérains qui tiennent, qui conservent cet avantage et qui vont tenter bien sûr de le conserver jusqu'à la fin de la rencontre avec la mêlée montpelliéraine qui est finalement sanctionnée. Et on aurait pu penser que les Castrés avaient été un petit peu dominés, mais visiblement c'est Baptiste Erdosio, le pilier gauche, et le talonneur Karkadze qui ont poussé dans le mauvais axe. Et intéressant d'observer le choix que vont faire les Castrés. On réfléchit hein, du côté de Mathieu Babillot et de Pierre Poplin, mais finalement on choisit la sécurité avec une nouvelle tentative de pénalité. Pierre Poplin qui a manqué sa dernière transformation et qui va vouloir recoller un petit peu au score. Oui, c'est beaucoup plus serré ici qu'à l'Arena entre Montpellier et Castres. La concentration de Pierre Poplin. Et il retrouve la précision. Et il permet à son équipe de passer la barre des 20 points. 28 à 21 en faveur de Montpellier sous les yeux du toujours très fidèle public castrais qui n'a pas eu à faire beaucoup, beaucoup de trajets aujourd'hui pour se rendre au GGL Stadium.
Les Montpellierains qui se retrouvent en position défensive, qui ferraillent évidemment pour tenter de laisser ces Castrais dans leur propre moitié de terrain avec le dégagement de Poplin, le joli contrôle de Carbonel qui va trouver Anthony Boutier. Anthony Boutier qui va peut-être trouver un espace sur les extérieurs avec Serfontaine qui trouve Benlam. Et il a du soutien avec lui, Benlam. Il est finalement mis au sol. Reynard avec la petite passe de Camara pour Willem C qui a trouvé Carbonel. Et on trouve de la continuité surtout dans ce jeu montpelliérain avec Harry Williams. Reynard qui va choisir le côté gauche finalement. Petite hésitation du demi-mêlée sud-africain avec Yacouba Camara. Arthur Vincent qui va obtenir une pénalité. Le grattage illicite de l'international uruguayen Santiago Arata. Arthur Vincent qui est venu se proposer de l'autre côté du terrain. Lui qui est passé à l'aile suite à l'entrée de Geoffrey Doumerou. La priorité, évidemment, côté montpelliérain, c'est de retrouver le chemin de la victoire. On le rappelle, un seul succès cette saison. C'était lors de la première journée face à La Rochelle. Mais attention à cet appel vidéo de M. Gasnier. On va observer une potentielle faute montpelliéraine. Peut-être une prise au cou. Ah non, ce serait peut-être une charge de Willem C à l'épaule. On va vérifier ça grâce au ralenti proposé par les équipes de Tonio Pérez. Ouh là 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 là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Mathieu, mais il semblerait... Paul Willem C qui était déjà pas passé loin de la correctionnelle en première période avec un contact à la tête involontaire avec Julien Dumora. Et ce sera un degré de danger moindre que ce que vous aviez imaginé, Mathieu. C'est un carton jaune pour Paul Willem C. Carton jaune pour numéro 8, numéro 5, Paul Willem C. Et du coup une pénalité en faveur de Montpellier qui se retourne en pénalité sifflée pour les Castrais qui vont profiter pendant 10 minutes d'une supériorité numérique suite à ce carton jaune de Paul Willem C qui était plutôt très bon depuis le début de cette rencontre, qui a réussi à retrouver ce qui faisait sa force, et il va manquer cruellement au MHR pour les 10 prochaines minutes avec Gaëtan Barlow. Ouais, ça combine bien avec Santi Arata. Et il faut un relayeur. Et c'est Aurélien Hazard qui est entré à l'instant à la place de Levan Chilachava. Arata. Avec Tichit, une nouvelle fois en pivot. Pour le bon travail de Geoffrey Palis. Et peut-être trouver de la vitesse cette fois-ci. Avec du jeu dans le dos, Baptiste Kopp. Il y a Lenny Nouchi également, le capitaine des moins de 20 champions du monde cet été, qui est entré côté montpelliérain et qui va bien sûr vouloir ferrailler. Le voici encore une fois, Nouchi, qui s'associe avec Yacouba Camara pour mettre au sol Stanifors. Attention, le travail d'Arata peut-être, et finalement un en avant Castrais. Thank you.
Ouais, l'occasion de se rapprocher, l'occasion aussi de rentrer dans les clous du bonus défensif pour le Castres Olympique. Et cette pénalité de Pierre Popelin qui ne passera pas. Il avait pourtant changé de ballon, Pierre Popelin, mais ça ne lui aura pas réussi. Et finalement, ce sont des secondes et des minutes qui s'égrènent en faveur des Montpellierains pour retrouver potentiellement une égalité numérique. Et on rappelle, hein, Mathieu, qu'il n'y a pas la règle du bunker dont on avait pu profiter, entre guillemets, pendant la Coupe du Monde. Et donc, ce carton jaune de Willem C qui restera à coup sûr un carton jaune avec Ben Lam pour ce jeu au pied à suivre. Il est bien tapé, ce jeu au pied avec le rebond peut-être favorable. Et ballon récupéré par Kobus Reinhard. Et malheureusement, petit en avant commis par le Sud-Africain. Et avertissement sans frais pour les Castrés. En tout cas, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas entendu autant de bruit dans ce GGL Stadium. Le public montpelliérain qui se réveille en même temps que son équipe. Et en tout cas, on a vu, hein, Ben Lam, le bon travail de l'ailier international samoan. On nous en parlait, hein, du côté du staff montpelliérain cette semaine, de cette capacité qu'ils avaient eue à relancer des joueurs en manque de temps de jeu pendant cette petite parenthèse européenne. Ben Lam en fait évidemment partie. Et on lui redonne de la confiance et il le rend bien, l'ancien Bordelais. Le ballon qui va être digéré par la mêlée Castres avec Arata pour le pied gauche de Popelin. Et qui va trouver les bras de Ben Lam. Il a du champ Ben Lam, mais il choisit de transmettre ce ballon à Anthony Boutier. La chandelle de Boutier, elle est bien tapée cette chandelle. Et ce sera Popelin qui sera à la réception. La grosse défense de Ben Lam et peut-être un en avant Castres à la retombée. Toute la pression défensive des joueurs du MHR qui leur permet de récupérer le ballon sur le coup. Et regardez la défense de Ben Lam qui est allée impacter Pierre Popelin. Il y avait déjà un premier en avant visiblement de Popelin. Il y en a en tout cas un deuxième de Botitou qui a été logiquement sifflé. Et ce sera donc pour Montpellier. Ouais, ça aurait pu déboucher sur une pénalité, Mathieu, vous avez raison. Et avec en tout cas l'absence de Willem C qui est compensée par l'arrivée de Ben Lam en position de troisième ligne. Yacouba Camara, lui, est associé du coup en deuxième ligne avec Van Rensburg. Et introduction pour Kobus Reinhard. Et ça joue, dit Monsieur Gasnier. Et on s'est un petit peu trompé de côté, du côté de Reinhard, parce que oui, Ben Lam était venu prêter main forte à ses coéquipiers du paquet d'avant. Et attention à ce ballon récupéré par Popelin. Le retour d'Anthony Boutier. Est-ce que finalement ce ballon est sorti en touche? Oui, dans un deuxième temps. C'est un petit peu à toi, moi, dans cette seconde période. C'est pas facile à négocier pour l'instant pour les Montpelliérains qui n'ont marqué qu'une pénalité depuis le retour des vestiaires. Avec la prise de balle en fond d'alignement de Mathieu Babillot. Est-ce qu'on reste ici, Jean-Baptiste? Est-ce qu'on reste à Montpellier?
avec Louis Lebrun. Avec Louis Lebrun qui est entré en position de demi-d'ouverture à la place de Pierre Poplin, justement. Et les Castrais qui sont en possession de ce ballon avec Ardron pour Aurélien Hazard. Arata qui va choisir le fermer avec Lebrun pour son deuxième ballon. Stanifors, la puissance peut-être. Non, la passe supplémentaire pour Van Verberg. Stanifors qu'on retrouve. Et vous parliez de la possibilité de l'essai du chaos. En tout cas, ce ballon qui est entre les mains Castrez, qui montre des intentions dans cette seconde période. Arata, le départ peut-être. Il a été finalement rattrapé par Baptiste Erdosio. Le relais plein axe de Gaëtan Barlot avec Aurélien Hazard. On se rapproche dangereusement, très dangereusement, de cet embutement pelliérain. Et le rebond qui ne sera pas favorable à Serrefontaine. Le jeu au pied de Boutier. Mais on va revenir sur une pénalité, une faute montpelliéraine en zone critique. En tout cas, Mathieu, il y a une vraie constante hein, côté Castrais, notamment offensivement. On met beaucoup, beaucoup en difficulté les Montpelliérains. D'abord sur touche avec des mauls et surtout sur ces ballons, vous en parliez, Mathieu, eh bien négociés par les avants dans la défense avec du jeu avant et après contact. Et c'est vrai que les Montpelliérains ont beaucoup de mal à défendre dans cet axe profond face aux intentions Castrais avec Barlow. Arata, la puissance de Stanifors. Bonne défense pour l'instant de Lénine Houchier des Montpelliérains. Encore une fin de passe d'Arata pour tenter de prendre l'axe. Et ballon conservé. Stanifors peut-être pour le pick and go. Le plaquage de Williams. Aurélien Hazard, position de relayeur. Ça chauffe à 5 mètres de l'embut montpelliérain. Et le grattage peut-être décisif de Karkadze. Il est récompensé. Regardez la joie des Montpelliérains. On a l'impression qu'ils ont gagné le match. Mais non, messieurs, il reste encore 13 minutes à disputer, 13 minutes à résister pour accrocher une deuxième victoire cette saison en top 14. Mais il est important, ce geste, ce grattage, ce geste défensif du talonneur géorgien. Avec les Montpelliérains qui sont de nouveau en égalité numérique. Paul Willemse qui vient d'effectuer son retour sur le terrain. Van Rensburg qui dévie pour Reinhardt avec la puissance de Simons qui est allé dégommer tout ce qui bougeait en face de lui. En l'occurrence, Zara Antonello qui est en train de s'accrocher avec Yacouba Camara au sol. Retour au jeu avec la chandelle de Cobus Reinhardt. Et sous ce ballon, c'est Geoffrey Palisse qui relève pour Van Verberg. Et on anticipe un petit peu trop les coups de sifflet de l'arbitre côté montpelliérain. On pensait qu'on avait réussi à gratter ce ballon. Attention à Louis Lebrun qui a réussi à éviter les plaquages adverses. Reinhardt qui va monter, qui va mettre la pression sur Palisse, notamment avec Ardron dans son couloir. Et on met beaucoup de pression sur le corps arbitral du côté des joueurs et du côté du public montpelliérain. Arata avec Lebrun, le pied gauche de Lebrun pour faire reculer cette équipe de Montpellier. Et Louis Carbonel qui va, depuis ses 22 mètres, assurer une touche directe. Voilà qui est fait. Et pour l'instant, les Montpelliérains sont toujours devant 27-21, mais que c'est disputé. Beaucoup, beaucoup de suspense pour ce Money Time.
L'entrée de Jérémy Fernandez à la place de Santi Arata aura, comme toujours, beaucoup donné l'Uruguayen. Alors que visiblement, du côté du Racing, toujours pas trop de suspense. Oui, mais ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu les Montpellierains avoir une munition dans la moitié de terrain à Castres. Et suite à ce grattage de l'ancien Biarro, Baptiste Erdosio, eh bien Paolo Garbici, qui est entré en jeu lui aussi à la place d'Anthony Boutier. Non, pas à la place d'Anthony Boutier, il est entré à la place d'Arthur Vincent. Il a pris position à l'arrière, Paolo Garbici, l'international italien. Et il va peut-être être alerté sur ce coup-ci d'abord. Du jeu au milieu du terrain avec le offload de Serfontaine, magnifique. Et Doumerou désormais qui n'a pas pu transmettre ce ballon sur l'extérieur. Reynard avec Erdosio. Leninouchi, la sautée de Leninouchi pour Simon. Ça va se refermer en face de l'international anglais qui va re-rentrer un petit peu dans le terrain et libérer son ballon. On ne va pas prendre de risque et peut-être pourquoi pas essayer d'aller marquer un essai côté Montpellierin, mais ça défend fort avec ce plaquage de Raisuke sur Garbici. Reynard avec Carbonel, ouais, la passe sur le pas pour Benlam peut-être, qui renverse son adversaire, il est finalement mis au sol. Ouais, ça avance à chaque fois, avec cette fois-ci Paul Willemse. Van Rensburg qui va conserver ce ballon lui aussi. Et on gagne la ligne d'avantage. Cette fois-ci c'est un petit peu ralenti avec Leninouchi qui est refoulé par la défense d'Aurélien Hazard et de Loïs Garoua. Mais tant que ces Montpellierains, Mathieu, sont dans cette zone du terrain, il ne risque pas grand-chose, même si, encore une fois, on a vu la défense très autoritaire des Castres, notamment de Tyler Hardron. Et du coup, on va trouver une touche plutôt intelligente de la part de Louis Carbonel. Non, du côté de monsieur Gasnier et de l'arbitre vidéo Patrick Della, qu'on est plutôt raccord sur le fait que le contact était en dessous de la tête. Alors, il y a un petit peu de crampe là du côté de Louis Carbonel. On a fait rentrer Paolo Garbici qui peut éventuellement glisser au poste de numéro 10. Il y a également Anthony Boutier qui peut assumer ce rôle. Et ce serait absolument terrible pour les têtes montpelliéraines s'ils venaient à perdre ce match. Mais pour l'instant, ils les ont toujours, ces 6 points d'avance, à 8 minutes de la fin du temps réglementaire dans cette rencontre. Est-ce que ce ballon va sortir côté Castres? Oui, avec Tyler Hardron. Il faut ressortir de cette zone, bien sûr, pour les hommes de Jérémy Davidson, de David Darry-Carrère. Et c'est Jérémy Fernandez qui va prendre en charge le jeu au pied. Ouais, ça, c'est une grosse erreur là de la part Montpellier-Rennes. Rendez-vous compte, on prend une pénalité simplement pour avoir trop parlé à l'arbitre dans cette zone du terrain. Et c'est en l'occurrence Cobus Reynard, visiblement, qui a été ciblé par monsieur Gasnier. Et vous voyez au ralenti, hein. Les oreilles de monsieur Gasnier qui siffle avec les consignes entre guillemets des joueurs montpelliérains. Et on ne trouve pas la touche côté Castres. Garbici qui va allumer cette chandelle.
Et c'est lui qui va tenter d'être en dessous. Mais c'est Nakossi qui récupère ce ballon. Attention à Filippo Nakossi de retour aujourd'hui sous le maillot castré. Stanifors qui porte beaucoup le ballon comme à son habitude. Présent en attaque comme en défense l'Australien. Ouais, cette passe directement en touche de Botitou. Et encore une fois, le chronomètre qui défile en faveur de cette équipe de Montpellier. Peut-être, peut-être une première victoire pour le nouveau staff montpelliérain en top 14. Peut-être que le MHR va pouvoir enfin mettre un terme à cette série terrible de 8 défaites d'affilée dans ce championnat. Avec, on le rappelle, hein, cette victoire bonifiée de l'USAP hier à domicile face à Bayonne. Il faut recoller forcément pour l'équipe de Patrice Collazo, ne pas se faire distancer dans cette lutte pour le maintien complètement assumé ici du côté de Montpellier. On va revoir cette faute Castrez. On n'a pas attendu que Yacouba Camara ait les appuis au sol pour pousser du côté des avants du CO. Et cette occasion, vous le disiez Mathieu, de reprendre un petit peu le large, de se mettre à l'abri d'un éventuel essai transformé Castrez avec Louis Carbonel qui prend son temps. 22 secondes pour taper ce coup de pied pour le numéro 10 Montpellier, un ancien joueur de Toulon. Carbonel pour cette pénalité qui va passer entre les perches et voici ces 9 points d'avance extrêmement importants pour la fin de cette rencontre en faveur de Montpellierains qui vont pouvoir vivre ces dernières minutes un petit peu plus tranquilles. Le score, Montpellier en 30, Castres Olympique 21. Oui, on peut parler même du premier essai montpelliérain avec ce ballon récupéré après une touche un petit peu cafouillée. Il est déterminant, Louis Carbonel, aujourd'hui. Avec Filippo Nakossi côté Castrez. 4 minutes à jouer dans cette rencontre. Et pour l'instant, une deuxième victoire en ligne de mire pour les Montpelliérains. Séguret avec Zarantonello. Van Verberg désormais la passe dans le dos pour Lebrun qui a trouvé Raisuke, mais elle était un petit peu en avant cette transmission. Et on va surtout revenir à une pénalité en faveur de Castres pour un plaquage retourné de Van Rensburg. C'est ce qu'ils vont faire, Mathieu, par l'intermédiaire de Jérémy Fernandez. Mais qui vous parle dans l'oreillette, Mathieu? Le tacticien Alexandre Mazet, qui aurait vu plutôt une tentative de pénalité, mais c'est vrai qu'il reste quand même plus beaucoup de temps dans cette rencontre et que la priorité... C'est le bonus défensif, mais regardez ce contre peut-être de Camara. Non, finalement, ballon récupéré dans un deuxième temps par les Castrés avec Louis Lebrun. On est à 5 mètres de l'embut montpelliérain une nouvelle fois, j'ai envie de dire, dans cette rencontre. Fernandez qui organise avec Van Verberg, cisaillé par le plaquage de Lenny Nouchi. Et là, interception de Serfontaine, il a tout intérêt à conserver ce ballon. Le Sud-Africain avec Karkadze.
Benlam qui aura beaucoup apporté lui aussi dans son couloir sur ses rares interventions. Il aura toujours été très tranchant, le puissant ailier néo-zélandais international samoan. Allez, 2 minutes à jouer désormais. Avec la bataille des rucks dans cette rencontre, Cobus Reynard qui va peut-être mettre du jeu au pied, voilà qui est fait, et mettre à contribution Geoffrey Palis. Et il est sèchement plaqué, Geoffrey Palis, et pour l'instant les Montpelliérains qui tiennent cette victoire malgré le break de Tyler Ardron, malgré la passe sur le pas de Louis Lebrun, la chistera désormais de Raisuke. On trouve forcément des solutions après contact. Il reste très très peu de temps pour ces castrés pour aller chercher peut-être un bonus défensif. Oui, en tout cas, une victoire qui se dessine pour les Montpelliérains parce qu'il reste un petit peu moins de 40 secondes désormais. On est dans la moitié de terrain Castres. Et voilà donc pour ce premier succès Montpelliérain depuis le mois d'août. Vous aviez fait le compte, Jean-Baptiste, du nombre de jours sans victoire en championnat pour les Montpelliérains. Je crois que c'était 124, si je ne dis pas de bêtises, si je suis. On y est, et en tout cas le sourire de Patrice Collazo qui doit être sacrément soulagé parce qu'il ne restera qu'une petite munition pour ses castrés pour tenter certes d'aller chercher un point de bonus défensif. Alors ce serait évidemment très positif pour les castrés, mais on a envie de dire que pour l'information générale, la dynamique du top 14, c'est assez anecdotique si l'on la met en opposition avec la victoire montpelliéraine. Bon, il y aura un petit peu moins de dramaturgie que prévu puisque les castrés ne peuvent pas jouer la victoire sur cette dernière action. Mais ils vont forcément aller chercher pourquoi pas un point parce que c'est vrai qu'on ne joue pas forcément le même championnat entre ces deux équipes. Avec les castrés qui eux sont toujours plutôt très bien en place pour une éventuelle qualification en phase finale en fin de saison. C'est la deuxième équipe, la deuxième attaque de ce championnat. Tout match confondu, mais également la deuxième attaque à l'extérieur. Ils auront quand même marqué minimum 21 points aujourd'hui. Ça prouve encore que les castrés ont cette capacité à bien figurer offensivement. Et on va encore une fois aller chercher la touche. Bon, vous savez, connaissant Alexandre Mazet, il aurait pu dire encore une fois qu'il fallait aller chercher les points. Hein. Allez, lancé à suivre pour Zarantonello avec des Montpelliérains qui vont forcément tout faire pour ne pas prendre d'essai, pour capitaliser bien sûr sur ces efforts collectifs victorieux, et ils vont se battre jusqu'au bout, lutter pour empêcher leur adversaire du jour d'aller décrocher un point de bonus. Est-ce que ce ballon va sortir? S'il ne sort pas, ce sera un Molin productif. Finalement, il sort avec Jérémy Fernandez qui va alerter Tom Staniforce, l'infatigable Tom Staniforce. Ardron, lui aussi, encore une fois, énorme. On n'en parle pas beaucoup de l'international canadien qui a prolongé son contrat du côté de Castres, mais c'est un excellent joueur. Attention à ce ballon dégagé en ballon mort par Cobus Reynard. Ça a été laborieux par moment, mais ils décrochent cette victoire qu'ils espéraient, qu'ils attendaient tant. Elles font plaisir à voir, ces images de communion, ces images de joie côté Montpelliérain. Victoire 30 à 21 face à des castrés qui ont mis ces Montpelliérains en difficulté aujourd'hui, mais ils l'emportent, les coéquipiers de Paul Willemse et de Simons. Allez, victoire sur le score de 30 à 21 face.
Allez, merci d'avoir suivi cette rencontre entre compagnie. Rendez-vous sur...